Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau produit que je n'ai pas l'habitude d'avoir en magasin, puisque c'est un siège enfant pour vélo. Je n'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de produit, bien sûr, parce que je laisse ça aux spécialistes du vélo. Mais ce produit-là a un petit détail qui fait toute la différence, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les Gaffi Clubbeuses et Gaffi Clubbeurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, le vélo est un peu petit pour ma taille, hein, mais bon, j'ai pris ce vélo simplement pour vous montrer un peu comment tout ça se fonctionnait. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est le nouveau siège vélo Paoge. Je crois qu'on ne doit pas être nombreux à l'avoir en France. Peut-être je suis le seul même. Et je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc, on peut voir que le produit est qualitatif, d'accord, au niveau des tissus. Là, on a une capote avec une visière ici, d'accord, qui couvre vraiment bien. Ok, on a une aération derrière, ok. Donc, hop, et là, ce qui nous intéresse, c'est qu'ici, vous voyez, nous avons des roues. Ici, des roues pivotantes là, et c'est ce qui va faire toute la différence, justement. Ça, c'est les cale-pieds pour le bébé, avec une protection ici, pour pas que ça touche la roue. Et à l'intérieur, nous avons donc des harnais. Alors c'est succinct, mais c'est un siège vélo, hein, donc on n'est pas là pour une poussette, hein, mais ça va faire un peu les deux, vous allez voir. Ça reste confortable quand même, comme un siège vélo en fait. Hein, voilà, c'est vraiment pareil. Sauf que la différence, c'est que vous allez voir maintenant comment ça se passe. Alors je vais tout d'abord ici appuyer sur de chaque côté, hein, comme ceci, et sortir les roues arrière. Ceci. Et ici, décrocher les clips pour sortir le guidon. Tac, on reclipe de chaque côté. Hop, ça c'est la première étape. La deuxième étape consiste, sous le siège, d'actionner cette poignée ici. Donc il y a un cran, donc il y a un bouton, on appuie au fond et on tire. C'est la sécurité, bien sûr. Il suffira juste après de tirer un coup pour déclencher, mais ça se bloque pour la sécurité encore une fois. Là, on voit apparaître un petit autocollant rouge. Donc dans la remise en place, si on voit l'autocollant rouge, c'est pas bon, il faudra le pousser pour le reclipper, d'accord? Donc là, je réactionne mon bouton, je tire un coup comme ceci. Ensuite, je lâche ma poignée, je prends ici et là et je tire comme ceci pour pouvoir poser la poussette à terre. Je n'aurai plus qu'ensuite à vaquer à mes occupations, très facilement et sans problème, pour ensuite retourner à mon vélo, remettre le siège en place, replier mes roues, tac, replier ma poignée, hop, et partir à l'aventure. Salut !